La lecture de la parole de Dieu aujourd'hui se trouve dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2. Nous lirons, si vous le voulez bien, les versets 28 à 32. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, ce jour grand et terrible. Alors, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les rachetés, que l'Éternel appellera. Que Seigneur bénisse sa parole pour nous aujourd'hui. J'aimerais vous saluer tous très cordialement aujourd'hui dans ce jour de sabbat. J'aimerais saluer particulièrement les frères et sœurs de l'église de Saint-Georges qui ne sont pas là. J'imagine simplement euh, où vous êtes assis d'habitude. Vous savez, on s'assied généralement au même endroit et j'imagine que vous êtes là. Mais j'aimerais aussi saluer nos frères et sœurs du Québec qui nous écoutent, qui partagent avec nous ce moment. Et vous tous qui êtes euh, quelque part dans le monde. Qui est aussi confiné pour les raisons que nous connaissons, mais nous sommes heureux de partager ce moment de culte, d'étude de la parole de Dieu avec vous. Nous avons un objectif, c'est de vous rejoindre plus vite et plus loin que le virus qui se répand dans le monde aujourd'hui. On va prier ensemble, voulez-vous Seigneur notre Dieu, nous vivons des temps particuliers, des temps difficiles, mais nous vivons des temps qui nous amènent à ta parole et qui nous invite à la sonder avec attention. Merci Seigneur pour cette grâce de pouvoir le faire ensemble aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Il y a deux semaines, lorsqu'on a partagé ensemble ce moment de culte, on a regardé en avant vers des événements qui vont se produire dans l'avenir. C'est vrai qu'en étudiant les prophéties, comme on l'a fait ces derniers trimestres, on regarde souvent en arrière vers ce qui s'est déjà passé. Mais les temps que nous vivons actuellement nous invitent à regarder à l'avenir parce que beaucoup de gens se demandent mais où est-ce qu'on va Qu'est-ce qui nous attend Qu'est-ce qui va arriver Et je crois que la parole de Dieu nous donne des indications à ce sujet-là. Bien entendu, ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu sont perdus dans un brouillard épais parce qu'ils se demandent... Qu'est-ce qui va arriver Toutes sortes de scénarios sont inventés pour essayer d'imaginer ce que pourrait être l'avenir. On n'a pas besoin de l'imaginer, la parole de Dieu nous en parle. Nous avons, là, il y a 15 jours, regardé ensemble deux événements qui sont dans l'avenir et j'aimerais aujourd'hui faire encore la même chose avec vous. J'aimerais regarder dans la parole de Dieu deux événements qui sont pour l'avenir et pour lesquels je crois qu'il est important que nous nous préparions. Se préparer pour l'avenir parce que le Seigneur nous a révélé ce que ces éléments allaient être dans l'avenir. Se préparer donc pour ces événements me paraît important et pour cela il faut que nous sachions ce qu'ils seront. Deux événements dans le futur, on va les regarder ensemble et le premier de ces deux événements est indiqué dans la deuxième épître de Paul aux Thessaloniciens au chapitre 2. Deux Thessaloniciens chapitre 2. Et nous lirons les versets 8 à 10. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. C'est un texte assez impressionnant parce qu'on découvre ici qu'il va y avoir un, un réveil particulier, un réveil religieux, mais un faux réveil. Et ce faux réveil nous est annoncé pour la fin des temps. À la fin des temps, il va se passer dans le monde un faux réveil. Mais qu'est-ce que ce réveil va contenir Et on est impressionné parce que quand on lit le livre de l'Apocalypse au chapitre 13, par exemple, on y trouve là une bête, donc une puissance, qui est décrite comme étant politique et religieuse. Et il nous, dit, nous est dit de cette puissance que la terre entière va être en admiration devant cette puissance. Et on se demande aujourd'hui comment est-ce que la Terre entière va pouvoir être en admiration devant une puissance alors qu'aujourd'hui, même le christianisme est extrêmement divisé. On ne parle même pas des autres croyances dans le monde. On est impressionné par la puissance de ce mouvement politico-religieux qui va réussir à accaparer le monde entier. Et on se demande pourquoi. Et le texte nous le dit. Le texte nous dit mensonge, miracle, toute la séduction de l'iniquité va être utilisée parce que des gens n'ont pas l'amour de la vérité. Aimer la vérité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la vérité est devenue quelque chose de relatif parce que. J'ai ma vérité, vous avez la vôtre. On est deux amis, tout va bien. Une vérité est difficile à recevoir parce qu'on n'a pas le choix. On voudrait que ça soit comme dans un self-service. Je vais faire mon menu à moi, me fabriquer ma vérité, et puis fabriquer la vôtre. D'ailleurs, le problème, c'est que. Lorsqu'il y a une seule vérité, c'est de l'intolérance d'ailleurs, c'est comme ça que les gens l'aperçoivent, et lorsqu'il y a une seule vérité, ça produit des guerres, les fameuses guerres de religion. Donc il ne faut pas avoir une seule vérité, prétend le monde d'aujourd'hui, il faut avoir le choix. Le problème, c'est que Jésus a dit qu'il était le chemin, la vérité et la vie. On a l'impression qu'il n'y en a pas 36. Et que même si le monde aujourd'hui aimerait avoir une vérité relative, optionnelle, au bout du compte, il y en aura malgré tout une seule. Une seule vérité, l'amour de la vérité. Par nature, nous n'avons pas l'amour de la vérité, parce que nous sommes des pécheurs. Mais c'est en sondant les Écritures, en nous approchant de, de Jésus, que cet amour de la vérité va grandir parce que la vérité, ce n'est pas un concept, ce n'est pas une idée, c'est une personne. L'amour de la vérité, c'est l'amour de Jésus notre Sauveur. Quand on a compris ce qu'il a fait pour nous, l'amour de la vérité qui manque dans ce réveil, dans ce faux réveil, c'est en réalité un réveil où Jésus n'est pas connu comme il devrait l'être. Il n'est pas présenté selon le Jésus des évangiles et de la parole de Dieu. Mais ce réveil, alors qu'est-ce qu'il va contenir Permettez que je mentionne sept points, évidemment, par rapport aux caractéristiques du faux réveil. Un premier texte dans Apocalypse chapitre 13 va nous donner une idée ici de ce que ce faux réveil représente. Apocalypse chapitre 13, au verset 13, il est question de la bête dont on parlait il y a un moment. Et il est dit, elle opérait de grands prodiges jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Ce texte ici fait référence à un événement qu'on connaît dans l'Ancien Testament, dans le livre des rois. Et vous vous souvenez que le peuple avait largement apostasié, abandonné Dieu, adoré des idoles, et Élie a repris le flambeau, il a convoqué le peuple et sur le mont Carmel deux autels ont été construits, un pour Baal et un pour l'Éternel. Et le vrai Dieu serait le Dieu qui ferait tomber le feu sur son autel. Les prêtres de Baal ont tourné autour de cet autel, en faisant leur culte à eux pendant toute la journée. Puis finalement, Élie a fait une courte prière et le feu du ciel est tombé sur l'autel pour l'Éternel. Ce texte fait référence à cet événement, le feu du ciel, parce que le faux réveil veut se faire passer pour un réveil qui vient de Dieu se faire passer pour le vrai Dieu, en reprenant peut-être ce que le vrai Dieu a utilisé autrefois pour marquer son autorité et son authenticité. Un faux réveil qui se fait passer pour Dieu. Dans le livre Tragédie des siècles, à la page 504 en français, je lis ceci. De grands réveils sembleront se produire et des multitudes attribueront au Seigneur des choses merveilleuses dues à un tout autre esprit. Déguisé sous le manteau de la religion, Satan tentera d'étendre son influence sur le monde chrétien. Un déguisement. Satan se cache et il veut se faire passer pour Dieu. En fait, c'était son objectif premier. La deuxième caractéristique de ces faux réveils, est encore une fois dans cette manifestation du feu, parce que le feu, c'est aussi l'expression de la présence de Dieu. Regardez par exemple ce texte dans le livre de l'Exode, au chapitre 24. Exode, chapitre 24, le verset 17. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne aux yeux des enfants d'Israël. La gloire de Dieu, la présence de Dieu se manifestait par un feu dévorant. Et on se souvient aussi de ce qui s'est passé à la Pentecôte lorsque des langues de feu sont descendues sur la tête des apôtres. Le feu, la manifestation du Saint-Esprit. Mais cette fois-ci, on essaie de faire croire que c'est le Saint-Esprit de Dieu, mais c'est un tout autre esprit. Il se passe des choses qui sont extraordinaires, mais elles ne viennent pas de Dieu. Et on peut les reconnaître dans le livre Maranatha, à la page 234. Je lis ceci Ces choses que vous décrivez, écrit l'auteur, se produiront juste avant la fin du temps de grâce. Il y aura des cris, des tambours, de la musique et des danses. Les sens des êtres rationnels seront tellement confus que l'on pourra attendre d'eux aucune bonne décision. On appellera cela l'action du Saint-Esprit. Et en regardant le monde dans lequel on vit, le monde chrétien dans lequel nous vivons aujourd'hui, on se rend compte qu'un certain nombre de gens se préparent déjà pour ce faux réveil par ces pratiques-là. Et ces pratiques sont associées à la fausse manifestation du Saint-Esprit. Le diable a toujours, dès le début, voulu être à la place de Dieu, avoir la puissance de Dieu. Et il essaye de faire croire aux hommes qu'il a déjà gagné la bataille. La troisième caractéristique de ces faux réveils, c'est un mépris de l'enseignement biblique. On peut regarder ce texte que vous connaissez dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7 et qui est en rapport avec la fin des temps. Matthieu chapitre 7, au verset 21, il est écrit ceci. Ceux qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là Seigneur Seigneur n'avons-nous pas prophétisé en ton nom n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom Alors je leur dirai ouvertement je ne vous ai jamais connu retirez-vous de moi vous qui commettez l'iniquité et le mot iniquité ici c'est le mot sans loi on est ici dans le contexte de la fin des temps. Et beaucoup de gens arrivent avec leurs œuvres en disant, Seigneur, qu'est-ce qu'on n'a pas fait pour toi Des œuvres puissantes, on a même chassé des démons en ton nom. Et Jésus répondra, quand vous étiez en train de chasser des démons en mon nom, soi-disant, je ne vous connaissais déjà pas, parce que je ne vous ai jamais connu. Le texte au début nous dit, que celui qui entrera dans le royaume des cieux, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Où cette volonté est-elle exprimée, si ce n'est ici Mais lorsque le faux réveil se manifeste, les fausses manifestations du Saint-Esprit prennent comme plus d'importance que la révélation écrite, qui vient du véritable Saint-Esprit. On essaye de fabriquer quelque chose de différent, non pas sur la base de l'enseignement biblique, mais sur la base d'un ressenti, d'une expérience personnelle. On va pousser une espèce d'exaltation collective, ou bien alors on va chercher un, un renouveau extraordinaire, quelque chose d'attirant, de, de, une espèce d'occupation nouvelle attirante. D'un autre côté, on va mettre l'emphase sur ce qu'on ressent, un renouveau mystique. Et c'est ce que cherche à faire justement ce mouvement de l'Église émergente. Un culte de masse, pour ne pas dire une manipulation de masse. Et je repense au culte de Nebuchadnezzar qui est présenté dans le livre de Daniel au chapitre 3. Où l'on voit là beaucoup de musique, toutes sortes d'instruments qui n'étaient pas d'ailleurs utilisés dans le culte de Dieu, mais toutes sortes d'instruments qui vont mettre l'ambiance pour que tout le monde fasse la même chose. On va conduire tout le monde à faire la même chose, mais pas nécessairement à suivre l'enseignement de la Parole de Dieu. On va re remplacer ce qu'on ressent par ce que Dieu a dit. Et cependant, la foi n'est pas un sentiment pour commencer, elle est un choix, un principe. La quatrième caractéristique de, ces, de ce faux réveil se trouve mentionnée dans l'Évangile de Luc au chapitre 9. Évangile selon Luc au chapitre 9. Jésus donne ici une clé extrêmement importante pour notre vie chrétienne. Luc chapitre 9 verset 23 dit ceci. Puis Jésus dit à tous, Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ce texte commence par nous dire que Jésus a dit ça à tous, aux disciples qui étaient là avec lui, mais à tous les gens qui l'écoutaient, à tous. Si quelqu'un veut venir avec moi, qu'il renonce à lui-même. Et c'est sans aucun doute la plus grande des difficultés que nous avons, renoncer à nous-mêmes. Les faux réveils invitent à... Une religion sans sacrifice, une religion facile, une religion qui va s'adapter à la culture du moment. Et si par hasard les valeurs de la culture du moment ne correspondent pas à la valeur des Écritures, ce sont les Écritures qu'on va condamner, pas les valeurs de la culture actuelle. Que ce soit dans le domaine de la moralité, dans le domaine de la compréhension du plan du salut. C'est la même chose. On va faire passer la compréhension humaine et ce qui est politiquement correct aujourd'hui avant ce qui est la révélation biblique. Dans le livre Tragédie des siècles à la page 505, je trouve cette phrase. Il n'est pas difficile, à la lumière de la parole de Dieu, de déterminer la nature de ces mouvements. On peut être sûr que la bénédiction de Dieu n'est pas là où l'on néglige le témoignage des Écritures et où l'on se détourne des vérités qui exigent le renoncement et la séparation du monde. Et je me pose la question, est-ce que nous sommes prêts à discerner ce faux réveil Parce que je me pose la question, est-ce que j'ai moi aussi un pied d'un côté et un pied de l'autre est-ce que j'accepte le renoncement à moi-même facilement Le renoncement à ce que je sais être un, une barrière entre moi et Dieu C'est difficile, c'est un, une lutte profonde. Et je sais que je ne suis de loin pas le seul à mener cette lutte-là. Une cinquième caractéristique des faux réveils, se trouve dans l'Épître aux Colossiens au chapitre 1er. Épître aux Colossiens, chapitre 1er. Versets 28 et 29. C'est lui et les questions de Jésus que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. L'apôtre Paul ici parle de ce que nous appelons dans notre langage la sanctification. Ce processus par lequel nous avançons pour reproduire en nous L'image, le caractère de Jésus, ce que le texte présente ici comme devenu parfait en Christ. Il y a dans la conception du faux réveil la conception d'une sanctification instantanée. On reçoit la justification d'une façon, j'allais dire instantaniste. La réponse, c'est un choix que nous faisons en réponse à l'appel de Dieu. Mais on a fabriqué la sanctification de la même manière. En réalité, la sanctification est un processus, un processus par lequel Dieu accomplit en nous ce que nous ne pouvons pas faire, au fur et à mesure que nous le laissons faire, en renonçant à nous-mêmes. Par conséquent, cette sanctification va prendre de notre part demander de notre part un, un, un combat, un effort, mais va demander aussi du temps. C'est un processus, c'est une marche, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens. Dans le livre Maranatha, à la page 232, se trouve ce paragraphe. La sanctification, tout en suscitant plus d'intérêt dans les milieux religieux, porte avec elle un esprit d'exaltation et de mépris pour la loi de Dieu. Ceci la dénonce comme n'appartenant pas à la religion de la Bible. Les défenseurs de la sanctification instantanée enseignent que l'on atteint une sainteté parfaite par la foi seule en disant ⁇ Crois seulement et la bénédiction t'est acquise ⁇ en même temps, ils rejettent l'autorité de la loi de Dieu et prétendent que les croyants sont libérés de l'obligation d'obéir au commandement. Une sanctification instantanée. Je suis instantanément transformé en un être parfait. Caractéristique des faux réveils et du faux réveil qui est en avant de nous. Une sixième caractéristique... Euh, c'est le moment où il se passe. Dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24, Jésus va nous dire à quel moment il faut attendre ce grand réveil, ce grand faux réveil à la fin. Matthieu 24, au verset 23, Jésus dit ceci. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ de faux prophètes, ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. On remarque dans ce passage qu'il est question de ce temps juste avant que Jésus revienne. La perspective du retour de Jésus va créer une excitation incroyable et probablement aussi une peur incroyable qui va amener beaucoup de gens à se joindre au réveil religieux du moment, au réveil où tout le monde se joint. Faux Christ, faux prophète, de grands prodiges, des grands miracles pour séduire si possible les élus. On apprend par conséquent que le grand faux réveil qui est en devant, au devant de nous et auquel il faut se préparer, est un réveil qui va se produire au moment où tout le monde va attendre la venue du Christ. Certains pour les bonnes raisons, d'autres pour de moins bonnes raisons. Par conséquent, juste avant que Jésus revienne, un immense, grand réveil va se manifester. Et ce réveil aura une, une septième caractéristique que je trouve encore une fois, dans ce texte de Matthieu 24, où il est dit que ces miracles et que ces prodiges chercheront à séduire, si possible, les élus. Ça me dit une chose importante c'est que ce réveil ne va pas être quelque chose qui va nous frapper et nous dire Mais, 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 mais c'est pas possible, de toute façon, c'est pas comme ça. La contrefaçon va être tellement proche de la réalité que certains d'entre nous vont se dire, est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un faux Dans la tragédie des siècles, à la page 643, 593 en anglais, se trouve cette phrase. La grande et suprême séduction est imminente. La contrefaçon sera si parfaite qu'il ne sera possible de la démasquer que par les écritures. et c'est pour ça, justement, qu'on a vu dans les points précédents, que les écritures ont été mises de côté parce que c'est justement par cela qu'on va déceler ce qui est vrai et ce qui est faux. alors, si la suprême séduction est imminente, je me pose la question, est-ce que je suis prêt à discerner cette séduction là? est-ce que je suis prêt à voir toutes les contrefaçons que l'ennemi va mettre sur notre chemin Est-ce que je connais suffisamment la parole de Dieu pour discerner Parce que ce sera le seul moyen par lequel on pourra faire la différence entre le vrai et le faux. Est-ce que je suis prêt à être dans la minorité alors que le monde entier ira dans une direction Est-ce que j'aurai le courage d'aller dans l'autre si je veux être prêt à cet événement qui est encore devant nous, prêt à le discerner, à voir clair, je vais avoir besoin de ce collier que Jésus propose à son Église de lui demander. Ce collier du Saint-Esprit pour discerner ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Discerner ce qui est la parole de Dieu et ce qui ne l'est pas. Mais cette préparation, je comprends que c'est maintenant que je dois la faire. Lorsque ce faux réveil se manifestera, ce sera trop tard pour commencer à y réfléchir. J'ai besoin de le savoir maintenant. C'est le premier événement de l'avenir que je voulais regarder avec vous aujourd'hui. Le deuxième, c'est le vrai réveil. Parce que si l'ennemi fait un faux réveil, c'est parce que nous savons par les Écritures qu'il va y avoir un vrai réveil. Et comme d'habitude, l'ennemi veut essayer de faire une contrefaçon de ce que Dieu veut faire pour de vrai. Alors, quand est-ce que ce vrai réveil va avoir lieu Comment est-ce qu'il va se manifester Et permettez que, encore une fois, on regarde en cette étape les principales caractéristiques de ce réveil. J'aimerais lire avec vous ce texte dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 18. Au verset 1, il est dit, Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut éclairée de sa gloire. Le texte continue en disant, il cria d'une voix forte, disant, Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Oh il y a ici un ange, et cet ange a une autorité telle que la terre, nous dit le texte, va être toute illuminée de sa gloire. On retrouve ici quelque chose qu'on on a déjà vu dans le livre de l'Apocalypse, dans des chapitres précédents, chapitre 14 par exemple. Au chapitre 14, il y a trois anges qui proclament l'Évangile éternel pour toute nation, toute tribu, toute langue. Et on comprend que ces anges sont en réalité des messagers. C'est la traduction du, du mot qui est utilisé ici, ange ou messager. Et par conséquent, ces messagers, c'est nous. Nous sommes les messagers d'Apocalypse chapitre 14 qui devons annoncer ces trois messages au monde entier. Et ces messages contiennent un appel à adorer Dieu, selon les prescriptions qu'il a données. Cet appel numéro 2 indique que Babylone est un échec, le salut par les œuvres est un échec, et qu'il faut en sortir. D'ailleurs, un peu plus loin dans ce même passage, L'appel retentit à nouveau au verset 4 et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ce grand réveil, qui est le vrai réveil, est un réveil qui, dans sa première caractéristique, va être un réveil qui se manifeste par la puissance du Saint-Esprit. On a parfois entendu des gens dire, nous devons achever l'œuvre. On va achever l'œuvre, nous Écoutez, je ne sais pas qui va l'achever, mais ce n'est pas moi, parce que je n'arrive déjà pas à achever l'œuvre en moi, et vous pensez qu'on va l'achever dans le monde Tragédie des siècles, en anglais 464. Avant que les jugements de Dieu tombent sur la terre, il se produira au sein de son peuple un réveil de la piété primitive tel qu'on n'en a pas vu depuis les jours des apôtres. Dieu accordera à ses enfants l'Esprit et la puissance d'en haut. Alors de nombreuses personnes sortiront des églises où l'amour du monde a supplanté l'amour de Dieu et de sa parole. C'est par l'action du Saint-Esprit que le vrai réveil va se manifester à la fin des temps. Et il va se manifester avec... C'est la deuxième caractéristique de, du vrai réveil. On a vu dans ce texte d'Apocalypse chapitre 18, le verset 1, qu'il a une grande autorité. Et par cette grande autorité, la terre entière sera exposée à l'Évangile éternel. Écoutez, quand je pense à ça, quand je pense aux moyens que nous avons aujourd'hui, quand je pense à tous ces gens qui, malgré tout, dans le monde, ont encore besoin d'entendre l'Évangile éternel, je comprends qu'il va falloir une superpuissance pour que cette œuvre s'accomplisse à la manière de Dieu. Parce que voilà 2000 ans que nous y travaillons, les uns après les autres, génération après génération, et on est encore loin du compte. Dans la tragédie des siècles, à la page 611 en français, en anglais, pardon, la proclamation de l'Évangile ne, ne se terminera pas avec une puissance inférieure à celle qui a marqué ses débuts. Les prophéties qui s'accomplirent par la venue de la pluie de la première saison doivent trouver leur contrepartie dans la pluie de l'arrière-saison à la fin des temps. Cette pluie de la première saison, la Pentecôte, que nous lisons, dont nous lisons le récit dans Actes chapitre 2, a permis à l'Église de démarrer. Vous vous souvenez, dans ce jour-là, 3000 personnes ont été baptisées. Et puis les chapitres suivants augmentent, 5000, et ainsi de suite. L'action du Saint-Esprit lors de la Pentecôte a permis à l'Église de démarrer. Mais maintenant, il va falloir amener les fruits du monde entier à maturité. La pluie de l'arrière-saison, c'est-à-dire juste avant la récolte, pour que la récolte puisse être réalisée. Mais il y a eu aussi une troisième caractéristique du vrai réveil, et j'aimerais la lire dans le livre du prophète Joël, au chapitre 2. Joël, chapitre 2, versets 23 et 24. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, et réjouissez-vous en l'Éternel, votre Dieu, car il vous donnera la pluie en Son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de mous et d'huile. L'annonce de cette pluie de la première et de l'arrière saison. Mais il y a une précision qui nous est donnée ici que l'on retrouve dans l'Apocalypse. Il est dit qu'il va y avoir du blé à récolter et qu'il va y avoir du mou aussi à récolter. Autrement dit, il va y avoir une moisson de céréales et il va y avoir une vendange. Et dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 14, justement après la proclamation des trois messages dont on parlait tout à l'heure, il est dit dans le ciel, Lance ta faucille et moissonne. Et la moisson va être faite, la moisson du monde, pour engranger dans les greniers de Dieu, ce sont les sauvés. Et puis après, un autre ordre est donné Jette ta faucille et vendange. Et ce qui est vendangé est mis dans le pressoir, le pressoir de la colère de Dieu. Le vrai réveil va produire un triage. D'un côté, ceux qui sont sauvés parce qu'ils ont l'amour de la vérité. De l'autre côté, ceux qui ne le sont pas, parce qu'ils n'ont pas l'amour de la vérité et de celui qui est la vérité. Cette idée qui court peut-être dans le christianisme selon lequel le bon Dieu est tellement bon qu'il va sauver tout le monde ne correspond pas à ce que je lis dans la parole de Dieu. Le mal a des conséquences. Et les choix que nous faisons nous porteront à subir ces conséquences selon le plan que Dieu a prévu. Il y a une quatrième caractéristique relative à ce vrai réveil et je la trouve dans Actes chapitre 3. Actes chapitre 3, c'est le verset 20. Verset 19 déjà. Actes 3, 19 et 20. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Il y a ici un appel à une préparation personnelle, la repentance, la conversion, qui vont produire des temps de rafraîchissement. L'action du Saint-Esprit est aussi euh, comparée dans les Écritures à la pluie. On l'a vu tout à l'heure, une pluie rafraîchissante. Et si nous voulons que cette pluie, le vrai réveil, nous implique, il faudra que nous aussi nous ayons fait notre préparation non pas que en nous préparant ce réveil viendra quand nous aurons envie c'est entre les mains de dieu mais il va falloir qu'il y ait un retour à une piété pratique constante et conséquente dans message choisi à la page 141 je lis ceci, un texte que nous connaissons bien, le plus grand et le plus urgent de nos besoins. C'est celui d'un réveil de la vérité, de la véritable piété parmi nous. Il convient de déployer les efforts les plus vigoureux pour obtenir la bénédiction du Seigneur, non parce que Dieu ne serait pas désireux de nous l'accorder, mais parce que nous ne sommes pas prêts. À la recevoir. Il ne faut s'attendre à un réveil qu'en réponse à la prière. Ça, c'est la véritable piété pratique. Et nous sommes peut-être tentés, avec le temps, d'avoir de, des réactions d'habitude. De, On a été baptisé en 1900 et dès. Et on va régulièrement à l'église, on fait ce qu'on doit faire. Et en réalité, euh, on n'est pas des adventistes du septième jour, on est des adventistes du septième jour, mais pas des sept jours. Et de cette manière-là, on est peut-être encore un pied à droite, un pied à gauche. Et dans ce sens, on remet à demain la préparation personnelle. Pas de préparation, pas de réveil. Et si j'attends que le réveil me tombe dessus comme une tuile au coin d'un toit, ça n'arrivera pas. Si j'attends que l'Église se réveille pour me réveiller, ça n'arrivera pas non plus parce que le réveil va commencer par moi. Il y a une cinquième caractéristique au vrai réveil. Et je la trouve dans, la, dans le premier livre des rois au chapitre 18 en référence avec euh, l'événement sur le mont Carmel. Et vous vous souvenez, au verset 21, il est dit, Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, Jusqu'à quand boitrez-vous des deux côtés Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est balles allez après lui. Une caractéristique du vrai réveil, c'est que ceux qui sont réveillés par Dieu de cette manière-là ont un cœur entièrement consacré à Dieu, pas partagé, entièrement. On se souvient de ces passages dans les évangiles où Jésus appelle ses disciples, et le texte nous dit dans l'évangile selon Luc, ils laissèrent tout et le suivirent. Et je me pose la question, est-ce que j'ai tout laissé parce que nous vivons dans un monde où finalement, qu'on le veuille ou non, on est quand même pas mal attaché au matériel. Or, oh, il y a des choses pour nous qui sont insignifiantes. Mais il y a parfois des choses auxquelles nous sommes attachés pour des raisons personnelles et que nous n'avons pas envie de lâcher. Est-ce que nous sommes entièrement à Dieu est-ce qu'on est en train de boiter à droite, à gauche, à droite, à gauche, avec Dieu le sabbat, dans le monde de la semaine Dans le huitième volume des témoignages en anglais à la page 19, il y a une phrase. Elle est extraordinaire, elle m'encourage, cette phrase. Écoutez ceci. Il n'y a pas de limite à ce que peut accomplir celui qui mettant de côté le moi, ouvre son cœur à l'action du Saint-Esprit et vit une consécration totale à Dieu. C'est une phrase qui me réjouit parce que ça commence en disant ⁇ Il n'y a pas de limite ⁇ Et la condition, c'est mettre le moi de côté et avoir une consécration totale, tout ou rien. C'est parfois difficile dans le monde où on est, parce que nous avons des aspirations, nous avons des souhaits, nous avons des désirs, nous avons des rêves. Et parfois, ils sont une barrière entre nous et Dieu. Et nous sommes tous impliqués dans cette lutte, vous le savez bien. La sixième caractéristique du vrai réveil se trouve dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 24 et au verset... 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Le vrai réveil est précisément ce dont nous avons besoin pour accomplir la mission, la mission que Dieu nous a donnée. Le vrai réveil nous implique dans la mission. Et nécessairement, si je ne me sens pas impliqué dans la mission aujourd'hui de l'Église, pensez-vous que je vais me sentir impliqué lorsque Dieu va m'appeler à remplir cette mission à la fin des temps Pas sûr. Si je suis simplement là pour chauffer les bancs de l'Église une fois par semaine, je ne pense pas que je ferai partie de ceux qui sont impliqués dans la mission à la fin des temps. Dans le livre Tragédie des siècles, à la page 612 en anglais, les serviteurs de Dieu, le visage illuminé d'une sainte consécration, iront de lieu en lieu proclamer le message céleste. Il y a une mission à accomplir. Nous sommes impliqués dans cette mission. Et il se peut que nous soyons découragés parce que nous avons fait beaucoup de choses et les fruits ne correspondent en rien aux efforts que nous avons faits. Le problème, c'est que nous attendons toujours de pouvoir bénéficier de nos efforts. La parole de Dieu nous indique que les résultats appartiennent à Dieu. Et seulement lorsque le Seigneur ouvrira devant nous, L'histoire de notre vie, seulement, seulement là, nous pourrons voir à quoi notre vie a été utile pour la gloire de Dieu. Et nous sommes peut-être les premiers à dire Je ne sers à rien, mes voisins ne veulent rien entendre, ma famille ne veut rien savoir, les gens se moquent de moi. Et vous savez comment le monde occidental aujourd'hui est dans cet état d'esprit-là Mais nous sommes invités à remplir la mission et nous ne savons pas quel sera le résultat de cette mission. Le vrai réveil va envoyer dans le monde entier ceux qui se seront entraînés déjà maintenant à accomplir la mission, coûte que coûte. Qu'il y ait des résultats ou qu'il n'y en ait pas, la dernière caractéristique du vrai réveil se trouve dans Actes au chapitre 4. Et au verset 13. Actes chapitre 4, verset 13 dit ceci. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Les moyens que Dieu va utiliser dans ce grand réveil, le vrai réveil final, les moyens que Dieu va utiliser vont nous prendre par surprise, tellement ils sont simples. Dieu, dans sa sagesse, va utiliser les moyens que nous ne voyons pas. Jésus a été chercher des gens sans instruction qui savaient pêcher du poisson et peut-être pas faire grand-chose d'autre. Et pourtant, ces gens humbles, étaient disposés à se laisser équiper pour le service. Dans le livre Événements des derniers jours, à la page 206, je lis ceci. Les messagers célestes, entendez par là les anges, travailleront avec ceux que l'on considère comme des gens ordinaires et ils les rendront capables de porter la vérité en maint endroit. Nous dédaignons peut-être parfois les petits talents des uns, des autres. Nous voudrions parfois que nos talents à nous nous permettent d'être vus, mais le Seigneur va utiliser les moyens qui correspondent à son objectif. Des moyens humbles, qui sont capables de lui rendre gloire pour tout et n'en prendre aucune pour eux-mêmes. Alors, je me pose la question maintenant, il y a deux événements encore devant nous, le faux et le vrai réveil. Est-ce que je suis prêt pour discerner les caractéristiques de ce faux réveil et ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi Est-ce que ma connaissance de la parole de Dieu est suffisante pour que je sache discerner entre le vrai et le faux Est-ce que je suis prêt à dire non quand tout le monde dit oui Et puis, est-ce que je suis prêt à me laisser utiliser par Dieu pour la tâche qu'il a prévue pour moi, si humble qu'elle puisse être Ça m'est égal. Ce que je veux, c'est une dernière fois proclamer la gloire de Dieu et de Jésus avant qu'il revienne. Est-ce que je suis prêt pour ça Je me pose la question et j'ai l'impression que j'ai encore du chemin à faire. Que le Seigneur m'accorde, comme à chacun d'entre vous, la grâce de voir sa promesse se réaliser, selon laquelle, dans l'épître aux Philippiens, il dit que Il accomplira cette œuvre avant que Jésus revienne et Il l'achèvera. Seigneur, achève ton œuvre. Amen.